Salut à tous, c'est Caroline pour la chaîne des box. On se retrouve pour la présentation de la box Evidence du mois de mai. C'est une box qui est bio. Ce mois-ci, le thème, c'est mai. Ouais. On a donc une box qui se présente comme ceci, avec à l'intérieur 4 produits. Cette box coûte 39 euros. Bien évidemment, on peut résilier à tout moment. Le flyer, carte postale, qui rappelle l'image de la box, avec au dos les 4 produits, les descriptions et un lien qui nous permet d'aller voir vraiment la valeur, la description de tous les produits. Je commence avec ce premier pot de marque Canité, Made in France, nuage de chantilly. Déjà, rien que l'appellation, je peux vous dire que ça me parle, autant par la texture. Voilà, donc c'est comme... ça sent très bon. C'est comme un nuage de chantilly, c'est vraiment une consistance qui est très très agréable. Un soin donc aérien, gourmand par rapport à l'odeur. À l'intérieur, on a du beurre de karité, de l'huile de baobab et de l'huile de nigel. On peut l'utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps. On nous dit en fait que cette crème, par rapport aux ingrédients, ça va faire un renouvellement cellulaire. C'est également un puissant actif anti-âge. Ça a également des vertus cicatrisantes et ça va venir améliorer l'élasticité de la peau. Je continue, alors on dirait un rouge à lèvres, mais pas du tout. Moi j'ai la couleur orangée, apparemment on pouvait avoir le vert, le jaune. Celui-ci, il va venir camoufler les cernes, je vous explique. En fait, on vient de l'appliquer une fois qu'on a mis tous nos soins, hop, au niveau du contour de l'œil. On tapote et on vient en fait le mélanger avec notre fond de teint. Bien évidemment, on ne va pas laisser comme ça. On peut également, c'est une texture crème, hein, le mettre comme ça tout le long. Et on vient soit avec le doigt, soit avec un pinceau maquillage, estomper de façon à donner bonne mine. Ça fait un petit peu comme un bronzer. Et c'est de la marque Boho. J'en ai déjà eu pas mal de ces produits, notamment des rouges à lèvres. Ensuite, ce petit pot, c'est Savon Stories. Exfoliant, visage à l'argan, 100% sauvage bio. Et quand on ouvre, en fait, c'est une poudre qu'on va venir en fait mélanger soit avec de l'eau, donc c'est une demi-cuillère, je crois, de cuillère. De toute façon, tout est noté cuillère à café. On mélange avec de l'eau ou avec un hydrolat. On va venir en fait faire comme un gommage. Hein, on vient faire des petits mouvements circulaires et on rince. On peut également l'utiliser comme un masque. Pour en fait un résultat peau douce, nette et bien évidemment hydratée. Ensuite, je trouve une gourmandise. Je crois qu'on avait le choix parmi 3 saveurs. Moi, j'ai pineapple orange, donc ananas orange. C'est donc un cookie vegan, sans gluten, sans huile de palme et sans noisette. Voilà, donc celui-ci, j'ai hâte de le goûter. Voilà, c'est tout pour la présentation de la box Evidence du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire à très vite dans une prochaine box. Salut!